Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Grande nouvelle, même si je vous avoue que je ne me réjouis guère de la mort d'un homme, il semblerait, selon le torchon Algérie patriotique, que le général le marocophobe Gaït Salah serait mort suite à un arrêt cardiaque à l'hôpital d'Aïn Najah. Alors cette info est selon eux de sources sûres. Donc, il a été admis à l'hôpital militaire dans la nuit de dimanche à lundi. Moi, je trouve cette mort très suspecte. Je pense même qu'elle n'est pas naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle intervient 3 jours à peine après cette mascarade, cette investiture illégitime. Donc, ça laisse les pleins pouvoirs à Tebboune. Même si nous savons tous que derrière Gaït Salah et Tebboune, ce sont les militaires, les grands généraux des 6 wilayas qui dirigent le pays. Donc comme il le dit, cela va changer la donne. Que va-t-il se passer dans les prochains jours, dans les prochaines heures? Donc la grande question. J'ai hâte de voir en fait si cette info déjà est vraie et les prochains titres et les prochaines infos. Donc bien évidemment je vous tiendrai au courant sur ma communauté. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très très bonne semaine, une bonne journée, Inch'Allah, je vous dis à très bientôt Inch'Allah. Portez-vous bien, salam alaikum, au revoir.